Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici Jake sur Iva Sound Studio. Alors, hier on a fait du Spyro et on était pas mal dérangeurs, hein, on a fait qu'un monde. Donc on va essayer ce soir de faire le monde 5 en entier, en tout cas c'est l'objectif. Si on fait plus, tant mieux, si on fait moins, c'est qu'un souci. Direction le monde 5 de Spyro, premier du nom. Spyro, le petit dragonnet, petit dragon tout violet, tout mignon, tout beau. Et pour un remastered, il faut le dire et le redire, le jeu est quand même beau, contrairement à Mario 64, qui a juste un lissage au final. Là, clairement, Nintendo, voilà. Hein. À côté de ça, Spyro, il a été refait, quoi. Le jeu est beau, faut le dire, le jeu est beau. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi soir. Et regardez, il vous salue au fond là. Titi Barbo, hein? Regardez cette chose qui vous salue. Bon alors, nous sommes dans le carnet, nous sommes dans le monde des tisseurs de rêves. Et dans ce monde des tisseurs de rêves, on a besoin de 300 cailloux, 300 gemmes et 3 Drake. Prendre connaissance des lieux, la map est assez espacée, on voit qu'il y a un portail là-bas, un portail, oui, c'est un portail de monde. Allez, ah bah go, hein, quand faut y aller. C'est qu'un champignon qui m'a fait. 300 gemmes, on a dit. Hein. Hop. Je crois qu'on va nous tirer dessus dans pas longtemps. Oui, il est en face le canon, je crois. De ce mémoire. Est-ce qu'on peut sauter là? Ou est-ce qu'il faut sauter là-bas? Non, c'est en face. Hein. C'est bien ça. Voilà. Ça va rien ces mobs en fait. Vraiment, ils sont pas. Ils sont pas très très utiles. Hein. Alors là, on fait gaffe de pas tomber. C'est bête. Oups. Voilà. Là on a un portail, tourbillon. Tourbillon, mais c'est un tourbillon vert par contre. D'habitude ils étaient bleus jusque là. Là il est vert et on va pas avoir le choix que de le prendre. On a les cailloux, je pense. Ok, il nous amène. Très bien. Très très bien. Un œil là-bas ou après? Non, on ira après là-bas. Le canon, il veut pas les réduire là? Allô, le canon? Oh, je peux pas les. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est eux que je voudrais. Ouais, je peux rien faire tant qu'ils sont grands. Là. C'est très drôle. Mais je pense que je m'en occupe moi-même. Oups. Voilà. Allez, ça c'est. Mais les deux là-bas, ils veulent pas faire quelque chose, non? Bon, en attendant, hein. Il y a quand même des cailloux à récupérer. On est quand même là pour ça. Ah bah tiens, ça sera le monde du boss et il porte bien son nom je crois. Et là ça sera la sortie. Ah bah oui, il fallait bien aller à l'autre côté en fait. Ok. Ok, ok. On va aller là. C'est l'ordre des choses. Je crois qu'il y a une place créative. Il me semble qu'il y a un truc secret de mémoire. Le Drake. Latif. Oh, ça va, il s'appelle Latif, il s'appelle pas Latou. Bienvenue chez les tisseurs de rêves.
En affrontant les sbires de Gnasty dans ce monde, attends-toi à l'inattendu. Et prépare-toi pour ce qui n'est pas là. Mmh. Il y a des choses derrière. Non. Sur quelque chose. Il y a un truc là où regardez. Ouais, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là où. Alors attendez, comment on y accède? Comment on y accède déjà? Réfléchir à tout ça, nous verrons bien. Mais il y a bien un truc. Ah ben si, par là. Mais eux, oui, ben voilà, c'est par là. Donc ça sera avec le canon en fait. Eux, on les réduit avec le canon, et ensuite on pourra accéder à la chose secrète qui n'est plus. Oui. Grandadé. Cailloux partout, des petits cailloux. Là, on va s'amuser. Hop là. Wow. J'en ai eu qu'un, sérieux? Ok, ok, d'avoir l'autre maintenant. Ok, là c'est bon. Est-ce qu'on peut retourner en play comme ça? Yeah, ça passe, cool. Voilà. Eux, on s'en débarrasse. Et là du coup on arrive ici. Toi tu dégages. Mais oh, j'avais oublié ça. Mais attendez, comment je Et parce que là il y a un passage. Voilà, on y passe à travers le mur. Ici il y a un truc. Et c'est quoi ça? Un point de compétence. Tout ça pour ça. Il y avait quasi rien quoi. Tout ça pour ça. Ah, je suis déçu. Et eux deux. Ah, génial. De vol quoi. Eux deux. Alors attendez, je les fasse. D'abord toi. Et après l'autre. Voilà. Mais il faudrait que j'y retourne pour le vol de glace. On va pas avoir le choix que d'y retourner. Wow, attendez. Un peu plus et je restais dessus moi. C'est vrai, j'aime bien attraper les pétards, les allumer et les laisser dans la main. C'est une grande passion ça, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Oui. Hop là. Hop, 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 hop. Pas tomber dans l'eau. Allez. 254. On va retourner de l'autre côté. On va prendre de risque. On ne va pas prendre de risque, c'est inutile. Voilà.
On l'a pas touché lui. Ouais, on est allé sur le canon, ça. Monsieur Zikomo. Salut Spyro, bon travail. Mon travail sera fini quand j'aurai grillé Gnastic Nork. N'est-ce pas là le but ultime du jeu? Et enfin... Ah mais attendez, mais maintenant qu'il n'y a plus le canon, il faut voir que je le réduise lui là-bas, je le réduise moi-même. Ah c'est pas malin ça. C'est pas malin. Pour aller au canon, vu que je manque d'élan, je suis obligé de reprendre les tornades tourbillons là. Ouh, j'ai eu peur. Voilà. Ok, on est bon. Ok. Je crois qu'il manque un dragon, c'est ça. 264 et un dragon. Et un niveau au passage. Il y a quelque chose derrière. Non. Si, il y avait bien quelque chose derrière. Allez, 10 gemmes qui vont apparaître par là. Mais... Ah ouais, t'es pas chiant toi. Enfin, le dragon. Mazi. Heureusement que c'est un M et pas un N. Sont invincibles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les attaquer. Ça me va. Vous n'avez pas plus d'infos. Heureusement qu'on avait trouvé par nous-mêmes. Et là, lui. Alors attendez, réflexion. Tourbillon. Lui là-bas, c'est pour retourner au départ. Et c'est pour stopper les trucs ici. Et il manque 5 gemmes. Où le ah, il est. Et de 5, voilà, parfait, 100%. Du coup, on va pouvoir retourner au début, après le checkpoint, et passer au vrai niveau des mondes, enfin du monde du moins. Quoique j'aurais pu faire le monde derrière. Des choses dans l'ordre, mon dieu Spyro. Un peu plus et il s'envoyait en l'air. Allez, ça c'est fait, on passe au vrai premier niveau de ce monde qui est le passage obscur. Ouh. On fait un barbecue. Oh le lag du chargement à chaque fois. Une joie.